Eh bien salut tout le monde, c'est Cassidius et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise, quel plaisir. Et regardez-moi cette Jojo pose incroyable, mon chat il en peut plus derrière, il a cette fusion avec le chien, je trouve ça fabuleux, incroyable. Ah, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a du gros boulot, aujourd'hui on va avoir des grosses quêtes à faire. Moi je veux voir si je peux améliorer mon armure maintenant, elle est déjà améliorée au max, et ça fait plaisir. Il faut qu'on aille place pile poil. J'ai vu que quelqu'un voulait nous parler. Et je pense que c'est le moment avant de partir en quête d'aller parler aux gens, aux PNJ. Ah, en même temps on s'en bat les couilles. Ouais, ta gueule. Donne-moi ton gland. Voilà, c'est cool. Non, ton ticket. Alors, toi. Il y a un truc intéressant que je voulais voir avec elle. Ah merde. Parce qu'en fait, j'ai vu que pour avoir une certaine morphage, il fallait des. Comment ça s'appelle ? Des narcoquillages. Et le seul endroit que, parce que j'ai fait quelques recherches sur internet, le seul endroit où qu'on pouvait avoir quelque chose, c'était comment ça s'appelle, ah putain, c'était en faisant justement des cultures de champignons. Enfin on allait demander de faire de la culture de champignons électriques et qu'on pouvait avoir au lieu des champignons électriques des narcocoquillages. Donc si jamais j'ai pas trouvé à partir de la sortie de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment est-ce qu'on a des narcoquillages pour tout simplement le avoir une morphage quoi. Oh nice, des étoffes sinistres, ça fait plaisir, on en a besoin. Mercenaires, on va les envoyer. Plaine inondée. Non, je vais les envoyer là. Hop, cristal, Patricia, machin. Voilà. On est parti. Je vais juste passer au Nidibouette avant de partir. Avant de partir en quête et de vous parler de moult choses. Hop. Nidibouette, dis-moi qu'est-ce que tu me caches ici. J'ai toujours pas trouvé comment est-ce qu'on change de costume, Nidibouette, c'est une catastrophe. Hop là. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah putain, merde. Voilà, c'est ça. Je me souvenais que j'avais pas fait quelque chose et qu'il fallait que je le fasse. Voilà, marché, transaction, annuler l'échange, voilà. Prêt, palico, voilà, bergamote. Va me chercher de champi paralysie, je crois que c'est ça, ouais. Mais vous fumez, monsieur. Bah écoutez, je ne sais pas, ça me saoule, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire ça. On va aller sans plus tarder se taper la grosse quête d'aujourd'hui. Je pense qu'on va directement, bah ça va être directement en commençant la quête qu'on va faire la plus grosse quête de la journée. Parce que aujourd'hui, tenez-vous bien, mais on va chasser du monstre assez vénère. On va chasser aujourd'hui la quête urgente pour passer aux 5 étoiles. Et finalement, le boss final du mode solo, j'ai envie de dire. Hein. Le châtiment, chasser le Magna Malo. C'est parti. Durant la calamité d'il y a 50 ans, le Magna Malo est apparu et a tout ravagé. Hors de question de laisser ça se reproduire. Tu dois vaincre le Magna Malo à tout prix. Eh bien écoutez, on va faire ça. Let's go. J'ai vu qu'il était sensible à l'eau et à la foudre. Apparemment plus à l'eau. Après j'ai peut-être pu me fourvoyer. Mais si c'est le cas ben tant mieux. Et on va prendre un Dango cavalier. Parce que le reste est peu intéressant. Voilà. Défenseur et cavalier. Ah, on n'a pas eu le heal, merde. Bon, dommage. Mais on va se taper une super cinématique. Et surtout on va tabasser du mob qui ont... oh, peut-être la première mort aujourd'hui hein. Faut que je me focus. Let's go. Et là je me fais one shot, ça serait trop drôle. Oh non pas lui. Tony Muniro,
Oh mais ce style, la bête infernale, le Magna Malo. Moi c'est mon meilleur pote parce qu'il a buté un Kadashi. C'est bon. Il a tué le Kadashi, moi je suis content. Moi je suis plutôt content de la mort du Kadashi, à pas se mentir. Ah ok, j'avais oublié. Bon, on va se taper un sacré mob aujourd'hui. J'espère le réussir sans trop de problèmes. J'espère ne pas avoir à recommencer, ça me ferait un peu chier. Ça me ferait un peu chier, on va pas se mentir. Allez, let's go. Je commence à avoir une grande envie d'éternuer. Et sachez que si j'éternue avec ce micro, je pense qu'il y a moyen que je détruis les oreilles. Mais de toute façon, si j'éternue, vous inquiétez pas que je couperai au montage le son du moment où j'éternue. Parce que ça, vous allez vraiment douiller. Vous risquez de prendre des sales trucs dans les oreilles. Pourquoi je suis vraiment le roi des cons, hein, ça m'énerve, hein. J'avais oublié que j'avais cet avantage. Ah, j'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi-même. Bon allez, sans plus tarder. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Je sais pas où je vais. Je suis complètement à la masse, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Allons-y gaiement. Ok, le voilà, le Magna Malo. El boss final. Du mode solo. Mais vraiment pas du tout le boss final tout court. Oh, il y a des Bullfango. Ah non, mais l'énervez pas déjà. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Bon, je suis peut-être là. J'aimerais lui mettre le Scarafoot quand même. Ok, c'est bon. Allez, Magna Malo, let's go. En plus, il a une super musique. Ah non, mais non, mais ça commence déjà. Ah, le Bullfango, il m'a peut-être sauvé. Ouf. Je me suis peut-être un peu sauvé là aussi. Fouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Merde, il faut qu'on régène un insecte là. On peut utiliser un déodorant, mais si on utilise un insecte, on le laisse au sol. On laisse notre flamme violette au sol. Et c'est bien parce que la flamme violette, c'est le fléau. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça fait de l'explosion. Donc c'est dangereux. Allez, let's go! Mange ça! Pouf, 113. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Il s'en va? Déjà? Mais non! Putain. Il s'est déjà cassé, le bâtard! Ah, il va dans sa zone phare, ok, il va dans sa vraie zone. Parce que d'habitude, il est toujours dans la zone là-haut. Donc c'est compréhensible, regardez. En pente 90 degrés, le chien, il en a rien à foutre! Quand même, on n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes. Hein. On est certes en galère, mais on aime se battre. Prends une petite potion quand même, là, parce que ça commence à se voir que je prends des dégâts. Ok, il n'y a pas de truc à prendre. Bah écoute, toi tu dors, moi je te démonte. Hein. Mais non, mais crie pas. T'as beau être joli, crie pas. Oula. Oh non, mais non. Oh non, je peux pas bouger. Ok, c'est bon. Ouf. Ouais, je l'ai prise celle-là. Je l'ai prise gratuite. Hein. T'es ni reprise ni échangée. Ah, oh, je vais me choper de ces crampes aux pieds, je vous le dis, moi. Oh, mais non, mais non, mais non, Michel. Je vais me soigner. Ouf. Ah yes. Ah mais non, mais ce monstre quand il tombe pas vraiment, j'avais oublié. J'avais oublié le petit bâtard là. Oh non, les boules. Ah, j'ai pris une boule. Ah, la musique. La musique elle est belle, la musique est belle. Oh non, pas ça. Ouf. Il est peu jovial ce mob, il est peu jovial. Ah non, mais crie pas déjà. Ne t'énerve pas déjà, moi je ne veux pas t'énerver. Oh là 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 là. Prends tarif, hein. Ça risque d'être compliqué, hein. Non, j'ai rechargé. Oh, plus je parle, plus j'ai envie d'éternuer, c'est une catastrophe et ça veut pas sortir. Je suis nerfed, à l'aide. Ok, bouffe tout. Non, 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 non. Là, il est gratos, tu tapes. Voilà, nice. Faut le faire bouffer là. Ok.
Nice. Il y a eu des dégâts qui ont été faits. Aïe. Ouf. Ah voilà, là il faut aller se soigner là. Là c'est une catastrophe là. Ah tiens, prends ça toi. Allez hop, une partie cassée. Non mais c'est pour moi. C'est pour moi, c'est cadeau. Je sais pas ce qu'on a cassé, mais on a cassé un truc. Aïe. Oh les bulles de soin. On a dû lui casser une patte. Non, le dos, on lui a cassé le dos. Oh non, je suis pas passé sur la queue, je suis dégoûté. J'aurais pu, hein, mais malheureusement. Aïe 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 aïe. Allez, les Vrogis, faut m'aider. Non, mais faut pas m'attaquer moi, les Vrogis. Les Vrogis, faut attaquer lui là. Il est immense. Ah, mais il s'en va, d'accord. Aucun respect, il s'en bat les couilles. Allez, Oshi, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps, il faut aller le défoncer. Oh, attendez, ça c'est pas mal là, le truc là. Hop là. Augmente l'effet des potions, des. C'est bien. Ça augmente nos effets, c'est plutôt cool ça. C'est plutôt nice, moi j'aime beaucoup. Alors certes t'es en bas, mais là j'ai vu des spectres oiseaux. Et ça c'est pour moi. Michel, ça c'est pour moi. Ou alors toi. Toi tu vas me prendre une dinguerie. Ah moi aussi par contre je vais prendre la. Aïe. Non, non. Ouf. Ah voilà, je suis pas très d'accord avec ce qui se passe moi. Moi j'aime pas ça. Ok, il m'a boosté. On s'est fait booster par le truc qu'on a chopé. Oh, non, non, non. Bah, je vais mourir. Je vais mourir, c'est fini. C'est fini, Stéphane. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, oh yes. Je sais pas qu'est-ce qu'il a touché, mais ça me fait plaisir. Non, non. Aïe 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 aïe. C'est dur ce qui se passe. Non. Non merci. Oh non mais pourquoi je recharge, mais c'est une catastrophe. Oh, paralysé. Let's go. Let's go, let's go, c'est le moment. Pourquoi j'ai rechargé? Je lui ai mis qu'une charge. Oh oui, c'est le moment. Oh non, non, c'est pas le moment. Non, pas les boules. Pas les boules. Ouf. Je commence à manquer d'endurance dans cette affaire. Vas-y, vas-y, fonce, faut rush. Oh, en plus, il y a un scarabée là. Nice, on lui a cassé je sais pas quoi. Ah, on l'a désénervé, ok. Nice, la queue l'a sauté. Scarabou, on prend. On lui met le fléau. Oh, voilà, on enchaîne pas mal. C'est bon, on le tient. On le tient. On le tient. Bon, il nous tient aussi. On a beau l'avoir tabassé, il nous tabasse aussi. Hein. Aïe. Oh, il bave. Il boite. J'avais pas vu, il boite. C'est bon, c'est free. C'est gratuit ce qui se passe. Faut le bourrer. Eh oui, t'es fatigué mon gros. Eh oui mon gros, ici tu fais pas le malin. Bon, un peu. On va se soigner quand même. Ok, il a toujours son fléau, c'est nice ça. Ah, il a plus son fléau. Ok, si j'ai... Non, 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 faut pas. Aïe. Tu m'as fait mal hein, Jackie hein. Ouf. Non, lâche-moi. Par pitié. Oh non, 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 là c'est vénère. Là faut pas s'approcher. Oh, paralysé. Mais c'est gratuit ça. Enfin, j'avoue, j'aurais peut-être dû le capturer, mais bon, tant pis. Non, 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 non. Non, non, non. Ma barre de vie. Méga potion.
Ok, full vie. Alors ça, ça one shot monsieur, ça ça peut one shot ça. Faut faire attention. Ouh. Non, merci. Et voilà, let's go. Let's go, let's go. Putain, on l'a défoncé. Merci la morphoage. Merci mon skill incroyable aussi. Après, les détracteurs me diront que c'était que du baron. Oh la plaque, mais let's go. Donc ça, c'est l'objet le plus rare qu'on peut choper sur un monstre de baron. La plaque, c'est d'une rareté 5. Et c'est indispensable pour certains matériaux ou certaines améliorations d'armes. Donc c'est super rare, genre je crois que c'est une hauteur de 3%. Un truc comme ça. 3 à 1% de chance de le choper. Et là, on a eu bah, directement une plaque, premier item. Fait plaisir. Ah, moi je suis plutôt content. Alors le magna, j'aurais peut-être dû mettre l'armure de l'amiibo pour la fontaine. Ça aurait été peut-être un peu plus drama. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. L'important c'est d'avoir gagné. Moi ça me fait plaisir. Et en combien de temps? 16 minutes. C'est nice. Ah, j'ai pas de mouchoir à côté de moi. Oh si, j'en ai un. Sauvetage. Attendez, il y aura plus de son là. Oh mon dieu! Ouh! Ça fait du bien! Ça fait du bien de se moucher un peu. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, on a eu des griffes et des cornes. Scutel. Corne Magna Malo. Ah bon, on a eu plein de trucs cool. On pourra peut-être faire sa morphoage, parce que sa morphoage est très bonne. Toutes ses armes en vrai sont très bonnes au Magna Malo. Surtout que c'est il a un fléau qu'on a rarement. Donc j'avouerai que c'est plutôt cool. Je risque de devoir le refarmer en off, lui. Très probable même. Mais écoutez, c'est pas très grave. Oh oui, cinématique! Est-ce qu'on a battu boss? Yuri, Demora, Star Shiha. Mineshida! Magai Magado Alibe! Kushinete! Haor, Rios became Latra. McBosh, this Ruha Polaruz. Tadu, Ile Hadach Eshram Mitu. Jishi Doda Larus Mitu. Ah bah par contre avec ta mitrailleuse, t'avais l'air de t'en sortir. Doda Amela Kushik Tiomi Beta Iam Doda Mida Yus Mekiraj. Lale Sospoda Tamize. Yuri, Tegara, Kamura Miha, Emino Rurashio. Nuras, Tissi Zekia, Bero, Anitoi, Lahaeri, Mijiome, Li, Gilea Doda Mire, Magai Magado Doda. Ils sont rigolos, ceux-là. Etiri Ragim Desuma. Jiboy Gil. Et pas de soucis, bro. Limi. Tiens, voici un katana que tu n'utiliseras jamais parce qu'il est pas très bon. Kamura Shijiga Mira Libira. Magai Magado Beshimo Geola Tunyu. Li Gafie. Suaneri Rita Newby. Li. Bah pas de soucis, pas de soucis, c'est bon, je vais le prendre ton katana, bro. Respecte-moi. La le Rosini. Oh, je rigole, ah, t'es incroyable. Et bah voilà, ça s'est super bien passé. C'est plutôt nice. Oh, pas de crédit. Putain, je le savais. Et bah voilà, let's play est fini. Alors, vous aviez aimé 3 épisodes à peu près.
Non mais vous inquiétez pas. Là on a effectivement fini une partie du jeu. S'il y a encore d'autres quêtes clés dans le solo ou des cinématiques qu'on n'a pas encore faites, je les ferai. Après, je ferai une petite pause, je pense, de Monster Hunter. Il est probable, ou alors je continuerai, j'en sais rien. Et après, on enchaînera sur le multi, tout simplement, qui est la suite du solo. Ah, incroyable. Je vous laisse un peu profiter, bien évidemment. C'est Dutch, on le reconnaît. Il s'est trouvé une go. Le boss. Les flammes, ils ont pas peur. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Et voilà. Plaisir, une famille unie. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Ah, un plaisir. En tout cas, moi, je kiffe grave, là, pour l'instant. J'avouerai que ce Monster Hunter est très bon. Hein. Ça fait plaisir d'avoir des bons Monster Hunter, de s'amuser. Moi, j'ai surtout hâte de tester de mon côté Monster Hunter Stories 2. Peut-être qu'un jour j'en ferai en live ou en vidéo, je ne sais pas. Hein. Je verrai si ça m'intéresse. Parce que pour l'instant, je suis pas très intéressé à le faire. En tout cas, en vidéo, pas du tout. Parce que c'est ce qu'on appelle un RPG à la Final Fantasy ou des trucs comme ça. Donc c'est beaucoup de farm, beaucoup d'exploration. Genre en vidéo, c'est en fait, on s'amuse, on n'a pas tout le nerf du jeu. Et il y a beaucoup d'aspects où on passe à côté. C'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup mieux à faire en live ce type de jeu. Tout ce qui est gros RPG. Parce que des fois il y a des phases très longues de farm ou de trucs comme ça. Et ça peut être un peu chiant. Ça peut être un peu chiant, donc c'est beaucoup mieux en live. Ah, ça c'est notre kiff ça. Ça c'est les boss, on n'est pas stylé mais au moins on sait y faire. Une romance. Terrible. Non mais là vous faites pas d'effort. Je suis désolé, vous ne faites pas d'effort. Heureusement, un peu plus bas et c'était le drame familial. Hein. C'est terrible. Oh putain, il lui a envoyé, j'avais pas vu. Je me souvenais pas. Terrible. Ah non, non, mais non. C'est pas parce que je touche pas au joystick qu'il faut mettre en veille la console. Mais respectez-moi, par pitié. D'ailleurs, en ce qui concerne ce jeu, on espère toujours avoir une dernière grosse mise à jour. Hein, on sait pas, hein, parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles de Capcom ni de Nintendo récemment. Même depuis un tout petit peu de temps quand même. Et on espère avoir un gros contenu. Parce qu'on a eu à un moment une grosse mage qui nous a rajouté genre 4 dragons anciens. Et je crois 2 autres mobs ou des trucs comme ça. Et c'était plutôt cool. Mais bon, on en a eu qu'une des grosses mages pour l'instant. Et ça ferait peu. Honnêtement, on va pas se mentir, s'il n'y a pas d'autres grosses mises à jour ou un gros DLC à la Iceborne, bah ça serait un peu du foutage de gueule, je trouve, mais bon. Surtout que le mode solo est vachement moins bien que dans les anciens Monster Hunter. Donc, allez, au moins une dernière grosse mise à jour si c'est pas un gros DLC qui sort sur le jeu là. Ça serait vraiment stylé. En tout cas, c'est ce qu'on pense, hein. C'est ce que les gens et qui sont plus ou moins dans la communauté Monster Hunter pensent. J'avouerai que ça serait cool. Ce serait plutôt sympathique. Ouais, ouais. Ah, ça envoie du pâté. Ça envoie de la dinguerie. Il y a des belles miniatures à faire hein, là. Il y a de la belle miniature, je sais pas qu'est-ce que je vais faire en miniature, mais je sens qu'il y aura du bon travail à faire.
Et en fait, j'avais été vachement déçu à ce moment-là, parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, quand on sort de notre tente, on voit un espèce de truc qui flotte dans les nuages, et on ne le voit pas en solo. J'étais en mode, mais c'est vraiment de l'arnaque, le solo, en fait. Et oui, c'est une énorme arnaque, le solo du jeu, hein, je tiens à vous le dire. Comparé avec... tout est fait pour être en multi, en fait. C'est ça le truc. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Putain, je sais plus ce que je voulais dire, je me déteste. Ouais, du coup, en fait, si jamais tu sais pas qu'il y a le multi quand t'es trop jeune, ou alors que t'as pas de connexion internet pour le faire. Et le multi est faisable en solo, mais il y a certains moments sur la fin, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Du coup, il y a de quoi être déçu. C'est pour ça que je m'étais. Ah, quelques ressentiments quand même sur ce Monster Hunter. Il n'y a pas que des qualités, bien sûr. Heureusement, parce qu'un jeu parfait, c'est chaud, quoi. C'est vénère. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a quelques petits défauts que le jeu en est moins bon pour autant. Ah, on peut passer? Bon, allez, les crédits, de toute façon, est-ce que vous allez les regarder en vidéo? Au pire, vous, je sais pas, vous achetez le jeu. Allez, let's go. Ah, tu as peut-être vaincu le Magnamalo, mais crois-moi, des chasses bien plus dures t'attendent. D'ailleurs, Inoa, les quêtes 5 étoiles pour toi, va la voir dès que possible. Grâce à toi, Bexel Kamura a retrouvé l'espoir. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ouais, bon, le katana, on s'en fout parce qu'on joue pas katana. Oh non, tout le monde veut nous parler. Ah, au secours. Allez, dites-moi que... Oh, j'ai envie de pleurer, ça veut nous parler partout, au secours. Ça va, Blanbec, ta passion pour la chasse est toujours aussi intense. Parfait. Bah, tu sais quoi, t'es pas le seul, tous les villageois sont au taquet. Tu as dû les inspirer. Ce qui veut dire qu'ils risquent d'avoir un pépin un jour ou l'autre, et j'espère que tu seras là pour les aider. Mais va pas croire qu'on se moque de tes efforts, hein. J'aurai une récompense spéciale rien que pour toi en échange. Je te demande juste d'être disponible si jamais les gens du village ont besoin de ton aide. Terminé 8 quêtes secondes. Bah, c'est déjà fait. Excellent. Bah, écoutez, voilà. Bravo, j'ai entendu dire que t'as. on s'est pas quitté, bon, hein, je suis toujours resté devant toi. Hein. Que t'as pas mal aidé les gens du village. Kamura, c'est un peu comme une grande famille. T'aides tous les villageois en aidant les gens de Kamura. Oublie jamais ça. Alors, concernant ta récompense, j'ai demandé au forgeron de te filer de l'équipement qui te rappellera Kamura. Ouais, bon, des petits trucs sympathiques, quoi. Oui. Oh putain, ah oui, bon, on va avoir beaucoup de dialogue, hein, je vous préviens. Ah, Bexel, tu n'arrêtes jamais à ce que je vois. Tu profites bien de la place pile poil. Yori, Kogarashi et nos invités étranges ont beaucoup à offrir là-bas. J'aimerais juste que tu demandes un truc en échange. Recruter plein de pile poil pour éviter que ça devienne la place sans poil. Putain, mais l'humour, s'il vous plaît. Et puis, mieux vaut avoir trop de pile poil que pas assez. Certains pile poil conviennent mieux pour d'autres situations. Merci. Mais va pas imaginer que tes efforts ne seront pas récompensés. Nope. Putain, il a vraiment dit nope, je déteste. J'ai prévu une récompense super. Allez, oust. Recruter 15 pile poil. On fera ça plus tard. Oui. Ah, voilà le chasseur que je cherchais. Pourquoi? Parce que tu as fini les quêtes plus vite que Inoa a fini de les plâtrer une plâtrée de Dango. Ou alors, ça, c'est insane. Hein. Tu as bien mérité d'avoir un petit quelque chose. Prends ce ticket, Kamura. Ouais, je sais pas ce que t'as donné, mais on s'en bat les couilles. C'est pour te remercier de tout ce que tu fais pour le village. C'est un cadeau de la part de tout le monde, continue comme ça. Enfin, il a pu me parler, let's go. Enfin. Alors, tiens, toi. Joli Bexel, qu'est-ce que tu veux me dire? Bexel, il paraît que tu lui as fait sa fête au Magnamalo. Magnamanul. J'en peux plus de vos blagues. Inoa a le sourire jusqu'aux oreilles. Tu es mon modèle. Ah, oh bah de rien. Alors en remerciement, j'aimerais te donner cette armure. C'est pour ton ibouette, pas que pour toi. Hein. Oh, il a donné une tenue pour Dutch, le bro. Cette tenue robuste n'a aucun avantage pratique, mais elle a de l'allure. Ton ibouette va l'adorer. Tout comme Dutch. Dutch, il a l'or. Il adore, comment dire, s'habiller. Reviens me voir plus tard. J'aurai d'autres armures épatantes rien que pour toi. Et bah écoute, ça me fait super plaisir pour les bouettes. Alors toi. Salut, Bexel. Tu aurais un peu de temps à me consacrer, j'ai besoin d'aide. Comme je te disais, j'adore entendre les récits de tes exploits. Ça m'inspire à chaque fois. Et je me suis dit, et si je sortais quelques chiens pour faire une démonstration aux chasseurs. Au risque de tomber sur des nouveaux monstres, alors il va me falloir des équipements adaptés. Mais il me manque des trucs. Tu voudrais bien me donner quelques petites bricoles comme toujours? Je te donnerai un équipement de chien. Bah écoute, on va te donner ça tout de suite. Merci beaucoup, avec ça je vais pouvoir fabriquer des équipements robustes et sortir du village sans aucun souci. Tiens, prends ça, j'ai fait pas mal de tests et ça devrait fonctionner, mais mais viens me voir si ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, comment je vais faire pour vanter mes chiens? Ah, je trouverais bien quelque chose. Ok, nice. Quelqu'un d'autre veut me parler?
Est-ce que toi là-bas tu veux me parler? Est-ce que toi tu sers à quelque chose? Non, tu sers à rien, t'es vraiment un PNJ inutile, hein, ça me vénère. Non, personne ici. Est-ce que elle? Ah, je me disais bien qu'ils avaient des trucs à me dire eux. T'as même les chats, ils veulent me parler. Alors? Oh bah Excel, t'as une seconde? Depuis l'incident avec le Magna Malo, j'ai plein d'idées de nouveaux plats. J'ai décidé de suivre mon inspiration et tu sais ce que j'ai inventé? Un Dango Magna Malo. Tout le monde au village l'a essayé et je peux te dire que les gens étaient aux anges. Ils fondent dans la bouche comme jamais un Dango n'a fondu en bouche. Tes papis n'en reviendront pas. Bah écoute, c'est sympa. Quoi, tu veux encore me parler? Putain, tu fais chier. Oh, Bexel. Et il vient de passer un truc de fou. J'étais sur le point de jeter mon vieux maillet quand Miaouser Hamon est passé et m'a demandé s'il pouvait la voir. Je lui ai donné en pensant qu'il voulait juste faire des gâteaux de riz, mais quand je suis allé le voir, il en avait fait une volto H. Et il l'a appelé risotto H. Putain, j'en peux plus. C'est tout lui quand on y pense. À ce que j'ai vu, il lui restait un bout de maillet. Tu devrais lui demander de te faire une hache, Bexel. Pour une volto H, on s'en bat un peu les couilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bexel, je suis contente que tu sois là, j'ai besoin de ton aide. L'autre jour, j'ai essayé de trouver une nouvelle recette de Dango et je me suis mise à piquer du nez. Au début, j'ai eu honte de l'embiner, mais après, j'étais en plateforme et j'ai eu un éclair de génie. Tu connais le monstre qui fait dormir? Le somnanclume? La somnaplume? Ah oui, la somnacante, putain, voilà, du mal, hein. Si je m'inspire de son chant envoûtant, je pourrais faire des Dango aussi revigorants qu'une bonne sieste. Alors, est-ce que tu pourrais attraper un somnacante pour moi? Je pourrais faire des Dango du siècle avec, c'est sûr. Ah, on a une quête de capture, enfin. Encore, je vais te tuer. Ouais, Bexel, je voulais te demander un service. L'autre jour, j'ai réfléchi à une nouvelle recette de Dango, et cette fois-ci, c'est sûr, cette recette va envoyer du rêve. Le truc, c'est qu'il me faut un tas d'œufs de Rhinoplos pour ça. J'ai essayé d'en ramener quelques-uns moi-même, mais c'était bien trop difficile pour moi. Mon corps est en miettes et j'ai pas pu continuer. S'il te plaît, Bexel, tu penses que tu pourrais me rapporter quelques œufs de Rhinoplos en plus? Oh, c'est chiant comme quête, ça. Putain, je la déteste. On place pile poil, du coup. Ils veulent tous me parler? Ah non, lui. C'est nice s'il peut améliorer des trucs. Bexel, j'ai un message important pour toi. Les cerfs-volants des Miaoursonnaires ont été améliorés. Ils vont pouvoir parcourir plus de distance. Ce qui signifie qu'ils vont trouver de nouveaux matériaux. Bien sûr, tu pourras t'y mettre tout de suite. Bon, ils ont à peine fait une quête, les pauvres. Hein. Laisse-les le temps de travailler. Ah, toi aussi tu veux me parler. Écoute, peut-être que t'as un truc intéressant à me dire. Ah, chasseur. Quand je te vois exceller dans ton art, ça me fait chaud au cœur. Alors pour t'aider, j'ai ajouté de nouveaux objets à mon stock. Ils te seront utiles à la chasse. J'ai hâte de connaître tes futurs exploits et viens me voir si je peux t'aider pour quoi que ce soit. Bah écoute, échanger. Non, pas discussion. Finalement, je veux pas te parler. Tais-toi. Tais-toi. J'aimerais bien voir aussi si on a débloqué ça. Ça là. Hôtel de la face pile poil. Oh oui, c'est bon, on peut. Et voilà. Let's go. On a obtenu schéma pour une arme de pile poil. Bah c'est stylé. Pas besoin d'aller au truc deep wet pour l'instant. On a largement ce qu'il nous faut. Allez, il est l'heure de voir les quêtes. C'est vrai, tu as vraiment hérité de l'épée de Fugan l'Ancien. J'en crois pas mes yeux. Et pourtant, quel honneur pour toi de recevoir une arme mystique. Mythique, pas mystique. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant que tu as cette arme? Rien de spécial, je pense. Est-ce que tu ressens quelqu'un de pouvoir en toi, non? Dommage, Fugan avait mentionné qu'il voulait la transmettre bientôt car elle était super lourde, bizarre. Mais attends, il voulait sûrement dire le poids de la responsabilité, pas le poids physique, tout c'est clair. Putain, mais tu vas pas me faire ta vie psychologique et philosophique là, je m'en bats les couilles. Pour les villageois, c'est un symbole de pouvoir, une arme réservée aux plus grands. Tu te sens à la hauteur? Mais bien sûr, moi je joue Morpho, je vais trop utiliser ton katana de mort. Te sens-tu prêt à devenir chef? L'avenir nous le dira. Pour le moment, occupe-toi de ces 4-5 étoiles. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Chasse, voilà, village, 5 étoiles. Oh putain, oui, on a du gros mob là à affronter. On a du mob qui fait mal. Oh, j'ai mal à la tête là. J'ai un peu mal au crâne là, non? Pas vous? Pas vous, moi je suis fatigué là. Je me sens un peu capoute. Putain, ça va être dur. Ah, il y a du monstre là, ça va être agressif. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire au premier? Est-ce qu'on n'irait pas capturer une somnacante pour vous montrer pour une première fois les quêtes de capture? Ah, pourquoi pas? Moi je dis en vrai, go le faire.
Alors, l'ingrédient secret, capturer une somme d'acanthe. J'aimerais préparer des dango qui puissent te revigorer comme une bonne sieste, mais pour ça, il va falloir que tu captures un somme d'acanthe. J'ai besoin de son champ pour mes recettes, s'il te plaît. Pas de soucis. Let's go. Donc, on va voir une nouvelle mécanique, hein. La capture de monstres. Incroyable. Ok, est-ce qu'on a de la nouvelle morpho ici? Ça n'a pas l'air pour l'instant. Ah, on peut améliorer. Bon, qui a l'air divinement bonne. Incroyable. Ok, donc ouais, ça il faut de la gnosome, bien évidemment, hein, on l'a pas encore. Ça, ok, elle est nulle. Ah, stylé. Vraiment stylé l'amélioration. Ça, on peut pas l'améliorer. La volvidon. Ludorote, ça bouge pas. La gombi, on peut l'améliorer. Ah, stylé, voilà, on peut faire la hache magnamalo qui est très 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 bonne. Hein. Elle est très très bonne, la hache magnamalo. En plus, on a déjà la plaque si on voudra améliorer l'arme dès qu'elle sera disponible. Ah, c'est ça, c'est les narcoquillages que j'aimerais bien. En off, j'aurais juste en vrai à faire un magnamalo et je pense que je l'ai. Hein. Je pense qu'il y a moyen que je puisse la crafter et ça serait cool. Bon. Sans plus tarder, on va aller capturer la somme d'acanthe. On change de morpho hache, équipement, changer, Ludorote. Oui, mais voilà. Celle-là. Et puis voilà, on va manger un petit dango et on se casse. On se casse faire la quête. Ah non, faut que je prenne un truc, j'avais oublié. Manger. Commande de dango. Dépeceur. Non, mais ça me sert à rien, je vais capturer. Et dango étanche, il fait pas. Vaillant. Donc ça, c'est le dango magnamalo. Il sert à rien, on va prendre le cucu. Défenseur et médecin, parfait, c'est le plus important. Donc oui, pour une quête de capture, c'est important de prendre certains items avant de partir. Et je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est, hein. Faut pas stresser, hein, vous inquiétez pas. Comment on passe à côté? Comme ça? Voilà. Hop, ordre. Donc on va prendre un piège, extrêmement important de prendre un piège et des bombes tranquillisantes, c'est extrêmement important. C'est genre indispensable pour réussir une quête de capture, parce que si vous tuez le monstre, comme on fait depuis le début du jeu, la quête échoue, genre vous avez perdu. Donc très important de faire attention et de regarder un peu ce qu'il y a à affronter. Enfin, quels sont les intitulés de quête et qu'est-ce qu'il faut prendre pour aller les faire. Mais il n'y a pas 6 étoiles aussi dans le solo, je sais plus s'il y a 6 ou 5 étoiles, à voir. Parce que je crois qu'il y a des monstres qu'on n'a pas encore vus. Ah voilà, il nous donne déjà des trucs plutôt pas mal, ok, c'est stylé, stylé, stylé. Donc ils nous ont déjà donné des trucs X, donc ça c'est un plaisir. Et est-ce qu'on va se téléporter à un autre camp? Non, on peut partir de ce camp là en vrai, c'est plus ou moins à égale distance. On peut partir par ici, aller affronter notre somnacante qu'on a déjà affronté épisode précédent. Mais écoutez, il faut que je vous introduise les quêtes de capture, ça sera bien comme ça. Oh putain, qu'est-ce qu'on va loin, c'est une dinguerie. Ouh la chute! Ouf. Ça c'est de la bombe. Putain, elle a des magnifiques couleurs, hein, celle-là. Allez, toi viens là. Au charbon! Au charbon! Par contre, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, je veux pas me faire attaquer par tes vieux trucs là. Tu m'endors pas, toi. Toi, tu m'endors pas! Mais par contre tu bouffes, hein. Tu bouffes tes 126. Allez, ça passe. Ça passe crème. Oh la pauvre Somna, elle va prendre cher. 113. Agréable. Agréable, 113 du plaisir là. Non mais je voulais pas recharger, Michel. On va se prendre un coup gratos là à cause de ça. Ah non. Eh bah écoutez, on prend pas de coup, ça part en ulti. Tu es en colère, madame. Tu deviens un peu plus rouge. Voilà, je sais pas ce qu'elle a tenté de me faire, mais j'ai eu un peu peur. Je vois que le stress était présent. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh non, c'est fort, ça faut faire attention. Et voilà. Ouais, c'est chaud, regardez l'onde de choc. L'onde de choc, elle est agressive. Non, tu nages pas, tu restes ici, toi. Tu restes ici, ma grande. On va t'apprendre le respect. Alors, oh non.
Oh, on a déjà bientôt plus de tranchant, terrible. Putain, j'ai vraiment cru qu'elle allait m'endormir avec son sa distance. Non, mais non, mais non, mais non. Je veux me soigner quand même. Ce serait quand même cool de pouvoir se soigner. Hop là, voilà. Ah, par contre, niveau tranchant, on commence à se sentir un peu stressé là. Bon, je vais aiguiser. Je vais trouver un moyen d'aiguiser. Je sais pas encore comment, mais on va le faire. Comme ça. Vas-y. Les couilles, elles sont énormes. On y va. Ou le cerveau petit, on ne sait pas. Aïe. C'est le retour de John Cena. Ok, nice. Quand tu fais ça, j'aime bien. Parce que je peux te caler un petit ulti des familles. Et voilà. Directement dans la bouche. Au sol. Faut surtout pas que j'oublie de checker en haut à droite pour voir s'il y a des... comment ça s'appelle? Bah si elle est capturable. Parce que j'avoue que ça peut être dangereux. Oh nice, on peut la monter. Oh il est trop loin le... L'autre. On va pas aller le chercher, on va juste bonker sur les murs. On va juste bonker d'un max. Let's go. Allez. En général, quand il manque sur un mur, il reste pas longtemps au sol, donc faut vraiment mettre la max dès le début. Oula, doucement. Doucement, doucement, laisse-moi te tabasser en paix. Non, mais ça sert à rien de crier, ma grande, ça sert à rien. Oh. Non. Ok, c'est bon, elle s'est pas réveillée. Ouf. On va pouvoir bombarder. Je vais le mettre au milieu, comme ça je suis sûr de taper. Ah bah non, j'avais l'outil, j'ai oublié. Ah c'est bon, ça boîte, regardez. Le marqueur est là. On va pouvoir prendre le piège. On va attendre qu'elle saute. On va la mettre. Ah non, mais ça m'a touché. On va le mettre à côté d'elle, si on y arrive. Oh bah c'est parfait, regardez. Elle va rester là. Moi je vais poser le piège. Elle est bloquée dans le piège. Et là vous bombardez. Les bombes tranquillisantes au sol. Et c'est capturé. C'est capturé, c'est là. Et vous voyez qu'en capture, on a que 20 secondes avant de retourner en quête. Et la capture, le point positif, déjà, c'est que c'est vachement cool pour les animaux, parce qu'ils ne meurent pas. Mais surtout, on va avoir plus de chances d'avoir plus de matériaux, et surtout... Oh merde. Ah, la goutte, j'ai pas pu. Et surtout, on aura des chances d'avoir des matériaux plus rares. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est nice. Mais des fois... Il y a des exceptions où est-ce que c'est mieux de tuer. Parce qu'il y a des exceptions où est-ce que des matériaux très très rares, on a plus de chances de le looter en tuant le monstre qu'en le capturant. Voilà, récompense de capture, on a quelques récompenses supplémentaires. C'est plutôt intéressant de capturer en général. En général, franchement, c'était très intéressant. Après, au pire, vous allez sur internet, vous tapez le matériau qui vous intéresse, et en général, vous trouverez facilement des tutos, des petits pavés écrits vous expliquant. Quel matériau est obtenu, vous pouvez l'obtenir à quel endroit. Ah, on a encore amélioré les dango. Un plaisir. Ah, lui aussi. Ah oui, ça. Je l'ai jamais utilisé. Je crois que c'est super important en plus, mais je l'ai jamais utilisé. Salut bro. Bexel, un objet assez inhabituel est entré en ma possession par un moyen dont je tairai le nom. Ouais ouais. Si vous laissez des matériaux dedans pendant un court moment, cet ustensile les transformera en talisman. Cela s'appelle le centre de fusion. J'ai fini de l'installer, vous pouvez donc l'utiliser dès que vous le souhaitez. Oh, et par ailleurs, il se trouve que j'ai de nouveaux objets en stock, n'hésitez pas à acheter un œil. Oh, est-ce qu'il a ce qui m'intéresse? Alors j'ai jamais compris comment ça marchait et je tiens pas à comprendre maintenant, ça me fait chier. Est-ce qu'il a ce que je pense? Non, pas encore, il faut faire le multi. Parce que lui, il aura deux objets très très intéressants à acheter, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas du tout pour tout de suite. Alors, t'es contente de son compte? Oui, Bexel. Devine quoi? J'ai pris le coup de main pour les dango lapins. Ils sont encore plus délicieux qu'avant. Leurs effets sont plus revigorants qu'avant. N'oublie pas d'y goûter avant de repartir en chasse. Pas de soucis. Et avant de se quitter, certes, on est déjà à 44 minutes et c'est l'heure normalement où est-ce qu'on s'arrête. Mais je vais continuer. Je vais continuer aujourd'hui avec une dernière petite quête de récolte aussi de demandes. Est-ce qu'on a autre chose à faire ici? Non, on a que celle-là, ok.
On va pas faire les grosses quêtes clés ici qu'on a. On va aller faire une quête de demande. Attends, elle l'a ou pas? Non, elle l'a pas. Ah, c'est pas une quête, c'est une demande. Attendez. Où est-ce qu'on a les quêtes? Quête secondaire, requête. Ah, ok, non, c'est une livraison comme ça, d'accord. Donc on doit le faire en exploration, en random. Putain, c'est chiant. Ah, c'est nul à chier. On se fait chier. Au secours. Attendez, 45 minutes, est-ce que je vous tape quand même une petite quête? Je réfléchis. Les quêtes là, je vais pas les faire parce que c'est des duos de monstres. Hein. Si vous voulez les voir, bien sûr, écrivez-le en commentaire, mais moi j'ai pas prévu de les faire avec vous. Même si vous répondez un peu trop tard et que je les ai déjà faites, rien ne m'empêche de les refaire, hein, c'est pas un souci. Non, en vrai je suis fatigué aujourd'hui. Je suis assez fatigué avec ce que j'ai fait la journée. Donc je vais juste tourner deux vidéos aujourd'hui. Excusez-moi de vous avoir fait un faux espoir, mais vous inquiétez pas. Il est probable que quand cet épisode est sorti, j'ai déjà tourné les suivants et du coup ces quêtes là, et ça sortira dans un jour ou deux. Donc ne vous inquiétez pas. Si c'est pas sorti, c'est que ça sort bientôt. C'est la classique. Enfin, pour l'instant, hein, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle où je upload du Zelda et du Monster Hunter et que je suis motivé. Mais d'habitude, pour les nouveaux, je tiens à vous mettre le bail direct. Hein, quand là, c'est exceptionnel le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos. Mais d'habitude, c'est un mois ou deux mois, on bombarde de vidéos. Hein, on en fait beaucoup. Et après, pendant 3 mois, vous ne voyez plus sur Internet. Hein, et après, on revient pour 1 ou 2 mois. Parce qu'on a, soit la flemme, autre chose à faire ou beaucoup de choses. Donc là, soyez contents d'avoir beaucoup de contenu. Certes. Il n'y a pas de Dutch en ce moment, malheureusement, je suis aussi désolé, moi aussi ça me fait chier parce que j'aime bien faire des vidéos en duo avec lui, mais on n'a pas beaucoup le temps d'en faire, et même des vidéos solo à lui, il n'a pas le temps de les faire parce qu'il bosse en ce moment qu'on n'a pas jusqu'à septembre, donc jusqu'à septembre il risque de ne pas sortir de vidéos, même c'est quasi sûr qu'il ne sorte pas de vidéos. Après il y a peut-être des chances hein, qu'il sort, que le week-end il se dise j'ai envie de tourner mes 3 let's play qui sont en cours. Donc il y a peut-être des chances que Dutch sorte des vidéos et ça ferait plaisir. Mais après tout, si jamais il peut pas, il peut pas. Hein. Donc n'allez pas lui dire que c'est de sa faute. 70% du temps, c'est pas de notre faute en général, les problèmes de tournage. Hein. Donc voilà. À part ça, j'espère que ça vous aura plu. Ah, on a fini le jeu. Techniquement, oui, on a fini le solo. Hein, techniquement, le reste, c'est que du bonus, hein, ce qu'on a maintenant. Hein. On a battu le Mac Damalo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Là, on est à 125 à l'heure où je vous parle. Ça avance très vite. Des gens toujours très sympathiques hein, qui écrivent en commentaire et tout ça. Hein. On vous embrasse, on vous fait des bisous. Les bros, vous êtes là, hein. Donc n'hésitez pas à en parler à vos potes ou à n'importe qui, hein. Peut-être qu'ils aimeront la chaîne, hein. S'ils aiment pas, écoutez, j'ai envie de vous dire, chacun a ses goûts, hein. Je suis d'accord que si on est exceptionnel et qu'on a un caractère, forcément on est obligé de pas plaire à tout le monde. Être neutre, ça serait plaire à tout le monde, mais bof, j'aime pas être trop neutre, c'est un peu chiant des fois. Et ben voilà. J'ai plus grand chose à vous dire à part que c'était Cassidius et à la prochaine pour découvrir des vrais gros monstres sa mère. Vous les avez déjà vus un peu avec leur icône, mais si vous connaissez pas Monster Hunter, je peux vous garantir qu'on aura des monstres assez agressifs la prochaine fois. Allez, des bisous.